Bienvenue à tous les amis, bienvenue France. Bonjour Gwenaël. Alors nous sommes avec France Guilin pour faire suite à la conférence sur les cellules souches. Ce soir nous allons voir les bains dérivatifs et anti-inflammatoires et nous allons aussi découvrir les fonctions des graisses brunes. C'est parti France, je te donne la parole. Voilà, alors il y a un monsieur qui s'appelle Joël de Romney, qui est un très grand biologiste, qui a une écoute internationale, mais qui fait aussi du surf. Alors, je pense qu'il en fait toujours. Il a 82 ans, quelque chose comme ça. Et normalement, il fait du surf toute l'année à Biarritz. Et son frère aussi était un très, très grand surfeur. Et donc, Joël de Romney a dit une chose vraiment extraordinairement vraie. Il a dit qu'il y a deux grands tueurs sur la planète, c'est l'oxydation et l'inflammation, en plus du virus. Mais le virus n'est pas un tueur. Par contre, l'oxydation et l'inflammation sont des tueurs. C'est-à-dire qu'ils nous dégradent et ils favorisent l'émergence de toutes les maladies dégénératives. Ce sont vraiment des tueurs. Pour lutter contre l'un et l'autre, nous avons deux outils qui ne coûte rien de particulier. Nous avons l'alimentation principalement pour lutter contre l'oxydation, tout ce qui est végétal et cru. Tout ce qui est végétal et cru, ce sont des antioxydants hyper puissants. Ce sont les plus puissants des antioxydants. Nous avalons des millions d'oxydants en permanence, rien qu'en en nous déplaçant, en marchant, en frottant l'air, en respirant. Nous avalons des millions et des millions d'oxydants. Mais quand nous mangeons des graines germées, quand nous mangeons une salade verte, quand nous mangeons un poivron cru, quand nous mangeons des fraises, des pommes, etc., nous avalons des millions d'antioxydants. Donc la compensation se fait instantanément, à condition, tous les jours, de consommer suffisamment de végétaux crus. Attention, on ne va pas les boire. Pas par les jus, c'est pas la bonne méthode parce que le cerveau ne sait pas traiter un jus. Le cerveau ne connaît pas les jus. Les extracteurs et les appareils pour faire des jus, à part le jus d'orange, n'existent pas depuis longtemps. Il n'y a pas longtemps qu'on peut faire du jus de carotte. Il n'y a pas longtemps, ça fait quelques dizaines d'années. C'est très récent. Donc le cerveau ne sait pas faire. Parce que le cerveau, il lui faut beaucoup plus de temps que ça pour s'adapter. Il lui faut au moins 100 ans. Donc, il ne s'adapte pas instantanément comme ça. Il ne peut pas traiter un jus. Je vous le dis, c'est très important à savoir. Et je peux vous dire que les diabétologues me remercient infiniment de le dire aux diabétiques parce que c'est une catastrophe pour les diabétiques, les jus, même les jus de légumes. Voilà, parce que le cerveau ne peut pas le traiter. Il traite. Le cerveau a besoin de voir une pomme, il a besoin de voir où on l'accueille, il a besoin de regarder la couleur, il a besoin du toucher, est-ce qu'elle est molle ou est-ce qu'elle est bien dure, résistante. Il a besoin du bruit que ça fait quand on croque dedans. Ça l'informe sur est-ce qu'elle est farineuse ou est-ce qu'elle est bien croquante ou juteuse. Il a besoin de l'odeur, il a besoin de la saveur, il a besoin des cinq sens, plus éventuellement de ce qu'on sait sur la pomme. On sait qu'elle est bio, qu'elle vient d'un jardin, etc. Voilà. Et c'est avec ça qu'il va pouvoir utiliser ce qui rentre dans notre corps. S'il n'a pas toute cette information, ça ne marchera pas. Voilà. Donc pour l'antioxydant, plus vous êtes proche, si vous croquez un poivron, vous en aurez 100 fois plus de bénéfices que si vous le faites cuire. Il n'y a aucun doute. C'est vrai pour une pomme. La compote de pomme, c'est une absurdité parce que c'est acidifiant. Alors que une pomme que vous croquez, c'est formidable. L'INSERM a fait tout un travail sur les vitamines et sels minéraux et notre absorption. Eh bien, vous absorbez 1000 fois plus de nutriments intéressants en croquant une pomme qu'en buvant un litre de jus de pomme bio, même en biodynamie, tout ce que vous voulez. Vous ne fixerez que le sucre. Alors que si vous croquez une pomme, vous fixez tout ce qui est intéressant. C'est un petit détail important parce que ça nous amènera aux graisses brunes après. Voilà. Alors, contre l'oxydation, ce n'est pas le sujet,
Mais sachez au moins qu'il y a quelque chose, parce que l'oxydation, c'est ce qui fait vieillir la peau, vieillir les cheveux, vieillir les yeux, vieillir les oreilles, vieillir les dents, les ongles, les muscles, etc. C'est l'oxydation. Un exemple d'oxydation pour ceux qui n'ont pas fait de chimie, quand vous prenez un morceau de fer que vous mettez dehors, l'oxygène s'allie au fer, donne de l'oxyde Fe2O3, c'est-à-dire de l'oxyde de fer, qui devient de la poudre, et le métal, petit à petit, se délite complètement. Si le morceau de fer reste suffisamment longtemps, ça se transforme en poudre. Il se détruit complètement. Il meurt. Il n'est plus du fer. Ça devient de la poudre d'oxyde de fer. C'est exactement la même chose pour nous. C'est exactement pareil. Alors, on parle d'oxydation, mais il n'y a pas que l'oxygène qui fait ce travail. Il y a toutes sortes d'autres gaz, mais on a pris comme modèle l'oxygène pour parler d'oxydation. Voilà. Alors, la seconde chose qui est terrible, c'est l'inflammation. Et ça, l'inflammation, on n'en a presque jamais parlé jusqu'en 2008. Parce qu'en médecine, l'inflammation était regardée comme une réaction positive du corps devant une agression. Une agression, une coupure, une blessure, un microbe, un virus, enfin, etc. Ça provoque une inflammation. Mais ce que la médecine ne savait pas, c'est qu'il n'y a pas d'inflammation si notre système immunitaire est en bon état. C'est-à-dire que quand on est en très bon état et qu'on a un microbe qui nous envahit, ben le système immunitaire s'en débrouille et on n'a pas de fièvre, on n'a aucun effet. Parce que le système immunitaire est la première barrière. Voilà. Avec le système immunitaire, les virus, les microbes, tout le monde peut passer, traverser le corps, aucune importance, il ne se passe jamais rien. On peut se blesser. Les blessures se cicatrisent parfaitement en quelques heures. Ça, je l'ai vu maintes fois. Quand j'étais enfant en Polynésie, les Tahitiens avaient une vie très naturelle. Et beaucoup, à l'époque où j'étais enfant, il n'y avait pas d'avion, les bateaux étaient rares, il y en avait un tous les deux mois. Et les gens du pays, dans ma famille, mangeaient ce qu'on cultivait, mangeaient ce qu'on allait chercher au fond de la vallée, le poisson qu'on allait pêcher de temps en temps, les coquillages qu'on allait ramasser sur le récif. Et donc, c'était une alimentation extrêmement naturelle. On n'avait pas de sucre, pas de sel. Et on mangeait beaucoup cru, parce que le feu, ça ne pousse pas sur les arbres, le feu. Les allumettes, ça ne se fabrique pas n'importe où. S'il n'y avait plus d'allumettes à Tahiti, il n'y avait plus de feu. Alors, on vous raconte dans Koh Lanta qu'on peut frotter deux bâtons l'un contre l'autre. Et ça, essayez, vous allez voir. Il faut en général beaucoup, beaucoup de temps avant d'avoir une étincelle et arriver à choper l'étincelle, c'est encore une autre affaire. C'est tellement vrai qu'en Polynésie, où il n'y avait pas de silex, où il n'y avait pas de moyen d'avoir du feu, il n'y avait pas de volcan en fonction, etc., eh bien, il y avait un endroit chez le roi, un gardien du feu, et il devait en permanence mettre quelques brindilles pour garder la flamme. Parce qu'en moyenne, il fallait une semaine pour obtenir, pour arriver à faire une flamme en frottant deux bois l'un contre l'autre. Ce qu'on vous a montré à Koh-Lanta en trichant beaucoup. En plus, pendant la saison humide, c'est impossible, ça ne fonctionne pas. Donc, si le feu s'arrêtait, eh bien, le gardien du feu était très sévèrement puni parce qu'il ne devait pas laisser le feu s'éteindre. Mais il ne pouvait pas non plus brûler toute la forêt. Donc, il fallait qu'il mette que des petites amorces pour maintenir le feu tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc, quand j'étais enfant, dans le quartier là où j'étais, c'était un terrain de mon oncle, il y avait trois maisons. Il y avait un gendarme, il y avait nous, et puis derrière, il y avait ceux qui ont créé Radio Tahiti et puis ensuite la télé tahitienne. On avait, pour le quartier, on avait une boîte d'allumettes dans un bocal, parce que le verre n'existe pas partout non plus. Donc, avoir un bocal, c'était du luxe. C'était le gendarme qui avait un bocal avec des allumettes. Il mettait du riz dans le bocal pour maintenir
pour empêcher l'humidité, pour que ça absorbe l'humidité. Et quand quelqu'un allumait un feu, on allait chercher du feu chez lui pour faire cuire. Donc, on mangeait principalement cru. Moi, j'ai vu le premier réchaud chez moi, je devais avoir 8 ans. Donc, on faisait brûler de la bourre de coco, des choses comme ça, mais on ne faisait pas cuire à chaque repas. C'était impossible. On n'avait pas d'électricité, donc on ne pouvait pas brancher, faire du café, des trucs comme ça, ça n'existait pas. Alors, essayez d'imaginer. C'était pas du tout, du tout. Le feu qu'on avait, nous, c'était un feu qui faisait plein de fumée, beaucoup de fumée noire. On mettait du savon sur les casseroles pour pas qu'elles soient... Bon, pour pouvoir enlever le noir quand même de temps en temps, mais faire chauffer quelque chose, et alors à la saison humide, ça faisait une fumée épouvantable. Donc, ce n'était pas dans la maison, c'était une petite case spéciale pour faire la cuisine. Et si ça flambait, ben, c'était la case qui flambait, ce n'était pas grave. Voilà. Donc, c'est pour vous donner un petit peu une idée. Donc, le matin, on était plutôt... tenter de manger des fruits avec du lait de coco, on râpait un coco, moi j'en ai râpé des milliers de coco, on râpait un coco. Sur ma page Facebook, vous avez une vidéo qui vous montre comment râper le coco. On pourra s'amuser à faire ça un jour, d'ailleurs, tu verras, Gwénoline, parce que j'ai une râpe à coco ici. Et donc, c'était le miam aux fruits, avec du jus de citron, des fruits, plusieurs fruits, etc. C'était extrêmement naturel et bien. Quand on allait dans la vallée, qu'on se blessait, les blessures, elles se réparaient en 2 heures. Deux heures après, on ne sentait plus rien. La trace disparaissait en 2 ou 3 jours. Mais tout ça, on n'avait pas besoin de mettre de désinfectant, on n'avait pas de pansement, on n'avait rien de tout ça. Ça se guérissait très vite. Et quand je naviguais, comme on était obligé, moi je n'emportais pas des gâteaux, des bonbons, des sucreries, des trucs comme ça. On n'avait pas de magasin sur les vagues, il fallait prendre, on est limité en poids, donc je ne pouvais prendre que des aliments vraiment nourrissants. Eh bien, comme on avait aussi une alimentation très saine, quand on se blessait, quelques heures après, c'était fini, c'était refermé, c'était cicatrisé sans aucun problème. Ça, c'est important parce qu'on n'était pas en état inflammatoire chronique bas. Parce que quand on est en état inflammatoire chronique bas, eh bien là, on a toutes sortes de symptômes successifs qui se suivent et on a les maladies qu'on vous raconte à la télé en ce moment avec des gens qui ont des problèmes respiratoires, etc. Enfin, ça, c'est parce qu'ils sont en état inflammatoire chronique bas. Or, aujourd'hui, quand on vit d'une façon dite moderne, c'est-à-dire quand on n'est pas un papou qui vit tout nu, qui grimpe dans les arbres, qui plonge dans la mer, quand on est quelqu'un qui met un slip, qui s'assoit pour travailler avec un ordinateur ou qui est debout dans un magasin pour faire essayer des chaussures, etc., etc. On a des vêtements qui font que on n'a plus du tout la fraîcheur toute la journée dans l'entrejambe. Ça n'est plus possible. Et la sueur ne peut plus aller humidifier. On ne marche pas à grandes enjambées dehors. On n'a plus le vent qui passe entre les jambes, etc. Et du coup, tout le monde, y compris moi, assise là. Bon, je suis assise sur des poches froides, alors ça va. Mais si je n'avais pas de poche froide, je serais dans les conditions de l'état inflammatoire chronique bas. Comment on le définit? En prenant la température rectale. C'est-à-dire qu'on prend la température par l'anus, hein, on laisse 2 minutes le thermomètre et on regarde la température. Le matin au réveil, je vous l'ai dit il y a 2 jours, elle est de 37 degrés. Toute la journée, elle doit descendre jusqu'à 35,8, 35,9 et dans la nuit, elle remonte jusqu'à 37. Quand on est dans cette fourchette, la moyenne, ça fait 36,6. C'est pour ça qu'on a appelé les proches 36,6. C'est la température moyenne. Ça, c'est la température moyenne de bonne santé sans état inflammatoire. Quand on est en dessous, en moyenne, ou quand on est au-dessus, dans les deux cas, on est en état inflammatoire. Alors, je vais vous donner 2 exemples qui vous mettent dans cet état inflammatoire, soit élevé, soit en bas. Quand on est agressé par un microbe et qu'on n'est pas en très, très bon état, c'est-à-dire que notre immunité n'est pas au top, eh bien, la température monte parce que les microbes ne peuvent se développer qu'en se reproduisant dans le sang
à condition que la température ne soit pas trop haute. Si la température est trop haute, ils ne peuvent pas se reproduire. Donc, ça empêche la reproduction des microbes. C'est fait pour ça. Donc, on monte en état inflammatoire élevé par la température. C'est pour ça que la médecine regardait l'état inflammatoire comme une bénédiction, comme quelque chose de très bien, puisque ça va empêcher le microbe de se développer. Voilà. Quand c'est un virus, eh bien, quand c'est un virus, c'est tout le contraire. Quand c'est un virus, la température descend. Alors, quand on vous dit que les gens qui ont le virus, machin, chouette, là, ont de la fièvre, c'est parce qu'ils ont une surinfection. Mais s'il n'y a pas de surinfection, leur température doit descendre. J'ai suivi plein de gens qui ont eu ce virus, qui avaient des débuts de problèmes respiratoires. Ils n'ont pas eu besoin d'aller à l'hôpital. On leur avait dit de prendre du doliprane et de rester à la maison. Moi, j'ai dit pas de doliprane, du froid dans l'entrejambe en permanence, ne manger que du cru végétal. Voilà, c'est tout. C'était les consignes. Et ceux qui avaient des problèmes respiratoires, dès qu'ils mettaient le froid dans l'entrejambe, 5 minutes après, ils n'avaient plus du tout de problème respiratoire. Et c'est normal, parce que ça agit immédiatement sur les poumons. Donc, c'est très, très intéressant. Alors, quand c'est un virus, la température descend. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Parce que je vous ai dit que pour les microbes, comme ils se multiplient dans le sang, eh bien, la température monte et ils ne peuvent plus se reproduire. Les virus ne se reproduisent pas dans le sang. Ils se reproduisent dans les cellules. Un virus a besoin de traverser une cellule. Alors, je vais vous faire un petit dessin, ça sera le mieux. Vraiment, ça sera le mieux, comme ça, vous allez voir. Parce que j'ai fait mon cahier. Je vais vous faire un petit dessin, c'est vraiment ce qui vous montrera le plus clairement. Oui, merci pour tous vos messages. En effet, c'est des informations qui nous ramènent à l'enfance, mais aussi très instructives pour ceux qui n'ont pas connu ces époques-là. Et c'est intéressant d'écouter François Guilin autant pour les conseils de santé que pour les expériences de vie, les histoires du passé. Voilà, je vais vous faire un petit dessin. Ben, ça y est, il est là, mon cahier. Donc, je vais vous faire un dessin pour que vous compreniez bien. C'est très important. Avec un dessin, ce sera beaucoup plus simple. Et comme on a un écran qui permet de voir de près, ça va être super. Mes stagiaires connaissent mon petit dessin par cœur. Et vous allez voir. On vous a montré à l'école des cellules comme ça. Ça, c'est les cellules qu'on vous montre à l'école. Ça, c'était avec le microscope optique. Mais avec le microscope numérique, on sait que c'est ça. Ça n'a rien à voir. C'est-à-dire que, voilà, les membranes cellulaires, en fait, c'est comme des gigaballons de baudruche qui sont froissés autour des noyaux. Regardez bien, c'est très important. Et une membrane cellulaire, mise à plat, elle couvre un court de tennis. Je ne sais pas si vous voyez la taille que ça fait. Et elle est hyper, hyper, hyper fine, bien évidemment. Ce qui fait que les membranes cellulaires ne communiquent pas comme ça, ça serait peu de contact, mais elles communiquent comme ça. Elles croisent toutes leurs pliures. Et ça leur permet des échanges richissimes, évidemment. Parce que si c'était un contact comme ça, ça ne ferait pas beaucoup de surface d'échange. Tandis que comme ça, c'est énorme, 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 énorme. Or, ces membranes cellulaires, quand un virus arrive, eh bien, le cerveau fait baisser la température du corps pour que ces choses-là se resserrent le plus serré possible, pour qu'elles ne soient pas ouvertes. Parce que si elles sont ouvertes, les virus vont pouvoir rentrer dans la cellule. Tandis que si elles se resserrent complètement, très 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 serrées, eh bien, le virus ne pourra pas rentrer. Et c'est pour ça que le bain dérivatif, en ramenant la température à la normale, resserre toutes les membranes cellulaires. C'est comme ça aussi qu'il va pouvoir se débarrasser du mauvais gras et qu'on va pouvoir mincir sans être complètement fripé. Sans que ça pendouille.
sans avoir les seins qui pendent et puis les fesses en goutte d'eau, par exemple. Ça va permettre de chasser le mauvais gras en mettant du très bon gras et redevenir tonique, se raffermir. Oui, c'est super intéressant quand même cette histoire-là. Ça vous permet de comprendre le mécanisme. Quand on est trop gros, eh bien c'est que ces membranes-là contiennent du mauvais gras et elles grossissent, elles peuvent grossir jusqu'à 40 à 50 fois leur volume. Vous imaginez ? Donc, on n'a pas plus de cellules, mais on les a fait gonfler. Quand on est trop maigre, c'est parce qu'on a de la graisse très, très dure et qu'elle se resserre. C'est encore plus difficile de s'en débarrasser, mais c'est comme ça. Et donc, vous voyez que la température interne est fondamentale pour que les membranes cellulaires ne laissent pas passer les virus. Tout simple. Vous voyez ? Si elles sont tout le temps un petit peu dilatées, eh bien, quand la plupart des gens ont 6 dixièmes en trop, ils sont à 37,2 de moyenne, eh bien, tout peut rentrer dans les membranes cellulaires, il n'y a pas de problème. Hein. C'est la porte ouverte. Et voilà pourquoi on sait maintenant que les maladies dégénératives sont vraiment déclenchées par l'état inflammatoire chronique bas. Attention, ça n'est pas l'origine, c'est le déclenchement. Je m'explique. On peut avoir eu beaucoup de chocs émotionnels, parce qu'on a eu des chocs psychologiques ou physiologiques, des coups de poing, enfin, on s'est cogné, on est tombé, on a un métier où on se heurte, etc. Eh bien, on peut avoir fait dans le corps plein de petites boules qui pourraient devenir des cancers plus tard, mais qui ne le deviendront jamais si on n'est pas en état inflammatoire. C'est comme ça qu'on trouve, par exemple, en découpant des Chinois morts à 90 ans, plein de boules qui auraient pu devenir des cancers, qui ne sont jamais devenus des cancers parce qu'ils n'étaient pas en état inflammatoire. Très, très intéressant. Ça, c'est Servan Schreiber qui en avait parlé de ça. Donc, cet état inflammatoire, il est responsable de la maladie d'Alzheimer et des maladies dégénératives du cerveau. Il est responsable des cancers, de l'angiogénèse des cancers. Il est responsable des diabètes de type 2. Il est responsable de maladies cardiaques. Et il est responsable de sclérose en plaques, de spondylarthrite ankylosante, etc. Je ne sais pas si Déborah Pli suit cette conférence, mais Déborah marchait pratiquement avec un... Elle poussait une chaise, hein, c'est comme marcher avec un ambulateur. Hein, et elle avait des douleurs effroyables, etc. C'était vraiment, ça faisait 15 ans que ça durait, c'était abominable. Elle est sortie complètement de ça parce qu'elle a fait, Miamo 5, le bain dérivatif. Elle a fait la méthode, argile sur le ventre, elle a tout fait et elle en est sortie. Pourquoi elle a eu cette idée? Parce que son mari faisait du surf avec un maître nageur sauveteur du sud-ouest qui lui-même avait été depuis un an sur un fauteuil roulant avec spondylarthrite ankylosante. Je lui avais consacré 4 heures d'explication et un an après, il avait repassé toutes les épreuves de maître nageur sauveteur, il avait repassé les épreuves de pompier, etc. Il a repris son métier, génial. Alors qu'il était sur fauteuil roulant depuis un an. Ça faisait des années qu'il avait une spondylarthrite ankylosante. Vous voyez, c'est tout simplement parce qu'on a supprimé l'état inflammatoire, on a fait manger de façon à fabriquer des graisses brunes, et le bain dérivatif a fait travailler ces graisses brunes, et en faisant travailler ces graisses brunes, c'est-à-dire en les amenant au bon endroit avec les cellules souches, en différenciant les cellules souches, eh bien, il s'est réparé complètement. Justement, est-ce que tu pourras aussi nous parler des différentes fonctions des graisses brunes, qu'on en sache un peu plus à ce sujet après? Oui, mais d'abord, je continue avec le bain dérivatif. Alors, le bain dérivatif à l'origine, c'est l'équivalent de marcher tout nu dans un pays chaud, à grandes enjambées, toute la journée, pour trouver un copain, une copine, pour chercher à manger, pour visiter le pays, en fait, tout ce que vous voulez. Mais on marche beaucoup, on transpire et on a de la fraîcheur dans notre jambe. On a une autre manière de le faire, c'est s'asseoir sur un bidet sans mettre les fesses dans l'eau. On a les fesses au-dessus, enfin, on est posé sur le bidet, mais on met de l'eau dans le bidet
On prend un gant de toilette et puis on se mouille le sexe pendant une demi-heure, trois quarts d'heure, une heure. Il y a un garçon en ce moment qui est en train d'éliminer des calculs rénaux, comme ça. Il fait ça à fond, c'est-à-dire il fait une demi-heure avec le gant de toilette, une demi-heure il se repose avec des poches froides dans l'entrejambe, plus une bouillotte chaude sur le ventre, et puis il recommence une demi-heure sur le bidet, et puis après il fait ça sans arrêt. C'est un garçon extrêmement sportif, 80 kilos, grand, 1m80, et il est en train de faire ça. Voilà, c'est important parce que ça, il n'est pas le premier, parce que j'ai aidé déjà plusieurs personnes à éliminer des calculs beaucoup plus gros que le sien, et c'est parti, ça s'en va très très bien, mais il faut s'astreindre à ça. C'est très astreignant, hein, mais il faut le faire. Donc, comme on ne peut plus on peut plus passer tout le monde tous les jours deux fois ou trois fois une demi-heure sur le bidet, plus c'est devenu difficile. Il y a des poches froides, mais les poches froides, en fait, à mon niveau, c'est un chercheur du CNRS qui en a eu l'idée, parce que c'est une femme qui avait deux jeunes enfants. Elle avait 7 kilos à perdre et elle avait essayé plein de trucs, ça ne fonctionnait pas. Et puis un jour, elle me dit ah, j'en ai marre, j'ai 7 kilos de trop, etc. Et moi, je lui dis, écoute, je lui parle de ça, un chercheur du CNRS, vous imaginez. Elle trouve ça un peu rigolo, mais elle ne me dit rien. Puis je la revois quelques semaines plus tard, 3 ou 4 semaines plus tard. Elle avait minci, elle était vraiment bien. Et alors, elle avait 34 ans à l'époque, quelque chose comme ça, ou 36 ans. Je lui dis, mais Irène, vous avez fait le bain dérivatif. Ah, expliquez-moi, je veux comprendre. J'ai dit, non, mais vous avez fait le bain dérivatif. Ah, je voudrais comprendre, est-ce que vous pourriez m'expliquer? J'ai dit, écoutez, vous êtes chercheur, alors vous cherchez, parce que moi, je ne peux pas vous expliquer, je ne sais pas comment ça marche. À cette époque-là, je ne savais pas. Maintenant, je sais. Mais à cette époque-là, je ne savais pas. Et elle a acheté 7 bouquins qu'elle a donnés à des chercheurs, et l'Institut de physique chimie de Paris nous a sorti une étude intéressante qui était une approche, mais pas suffisante. Mais enfin, ça nous a fait progresser. J'en parle dans un de mes livres, et on en a même parlé à la radio. C'est Philippe Meyer qui en a parlé, lui qui déglinguait tous les matins dans son billet d'humeur, il déglinguait tous les soins, médecine douce, tout ça, qui lui paraissait farfelu. Il a dit, alors là, je peux vous dire, ça fonctionne, ça coûte pas cher, c'est même pratiquement gratuit, mais ça marche. Il m'a fait une pub incroyable, je ne le connaissais pas, je ne l'avais jamais vu, et je n'avais qu'une trouille, c'est qu'il déglingue le bain dérivatif, parce que ça pouvait lui paraître complètement fou. Et à France Inter, plein de gens se sont mis à le faire. Et après, j'ai fait plein d'émissions à France Inter sur ce sujet, au moins 40. Donc, voilà. Et donc, vous voyez, maintenant, alors, il y a le docteur Vander, Adrian Vander, qui, dans les années, en 1957, même un peu avant, a fait une encyclopédie énorme, vraiment énorme. Je l'ai ici. Et si on écrite comme aujourd'hui, ça doit faire 10 000 pages. C'est vraiment un truc énorme. Eh bien, il a été pendant 20 ans directeur de sanatorium. Et dans les sanatoriums, les gens étaient des tuberculeux, mais ils n'avaient pas que la tuberculose. Ils avaient aussi de l'eczéma, ils avaient du psoriasis, ils avaient des problèmes rénaux, ils avaient des problèmes du foie, enfin, ils avaient toutes sortes de problèmes. Il n'y avait pas que la tuberculose, hein, en général. Et il a essayé le bain dérivatif sur tout ce qui pouvait exister, et il le recommande pour absolument toutes les maladies. Et lui a eu l'idée des bandes froides. En 1957, des bandes froides, il n'y avait pas de congélateur à l'époque, qu'on mettait dans l'entrejambe. Il disait de mettre les bandes froides au minimum 4 heures par jour, plus toute la nuit. Vous imaginez un peu le bazar. Donc, voilà. Mais parce qu'il disait que le bain dérivatif avec l'eau froide, si on a des prothèses, des choses comme ça, ça peut être vraiment un problème. Il ne faut pas faire ça à quelqu'un qui a un pacemaker, à quelqu'un qui a des stents, à quelqu'un qui a une prothèse récente, etc. Il ne faut pas, parce que ça pourrait les faire bouger, les prothèses, parce que ça fait vibrer le fascia. Alors, qu'est-ce qui se passe quand on met du froid dans notre jambe? Eh bien, vous avez un système qui s'appelle le fascia. Si vous n'en avez jamais entendu parler, vous allez sur Internet et vous cherchez une émission de Arte,
la télévision Arte, nos alliés cachés, les fascias. Nos alliés cachés, les fascias. Si vous déroulez ma page Facebook, vous trouverez le lien, mais il faut bien la dérouler parce que j'en ai parlé il y a un certain temps. Mais sinon, vous tapez sur Internet, vous allez trouver les choses et vous verrez, c'est extrêmement intéressant. C'est un système. Nous avons des systèmes. Nous avons le système osseux, hein, le squelette, vous savez ça. Nous avons un système musculaire. Nous avons un système digestif, un système respiratoire. Ces systèmes-là, ils sont tous avec des interfaces avec les autres. Par exemple, le système respiratoire a une interface avec le système digestif par le système circulatoire, par le poumon. Le système respiratoire prend l'oxygène qui va dans le sang et le sang est connecté au système respiratoire par le poumon et le sang est connecté au système digestif en même temps. Donc, tous les systèmes sont interconnectés. Et le fascia est une seule pièce qui est aussi interconnectée. Sachez que dans le monde, il n'y a qu'un seul endroit où on travaille sur le fascia depuis plusieurs générations, c'est à Padoue, en Italie. Et pendant 8 ans, des médecins de Padoue m'ont fait venir en Italie pendant 2 fois par an pour que je fasse des conférences où je parlais du bain dérivatif, des graisses brunes, etc. Ils ne m'ont jamais dit que c'était le seul endroit dans le monde où on travaillait sur le fascia. Ils m'ont posé plein de questions. Et c'est en voyant l'émission d'Arte que j'ai découvert que c'était à Padoue qu'on travaillait depuis 8 ans. Mais ils n'avaient pas voulu m'en parler. Je leur ai demandé pourquoi. Ils m'ont dit parce que dans le monde entier, on se moque de nous. On se moque de nous parce qu'on parle du fascia. En France, vous verrez dans la même émission d'Arte, un médecin français, un chercheur, qui vous explique qu'une personne de 70 kg a 20 kg de fascia, c'est énorme, 20 kg de fascia, qu'on met à la poubelle quand on examine un corps pour montrer aux étudiants les organes, parce que ça, c'est regardé comme des tissus de soutien qui n'ont aucun intérêt. Aujourd'hui, le fascia est considéré comme un organe et l'organe le plus important. Et il y a 170 ans, le docteur Steele aux États-Unis qui a inventé l'ostéopathie, ce docteur-là disait que si on voulait comprendre la maladie, il fallait d'abord comprendre le fonctionnement du fascia. Vous voyez comme c'est. Et aujourd'hui, on est de nouveau dans la recherche en train d'essayer de comprendre comment fonctionne le fascia. Et pourtant, nous, on sait très bien comment fonctionne le fascia. Je n'ai strictement rien inventé. Je n'ai fait que mettre ensemble toutes sortes de connaissances de la recherche. J'ai fait une synthèse et vous allez voir, c'est extrêmement simple. Le fascia, c'est une membrane très fine ou qui est quelquefois un peu plus épaisse, qui est faite de cellules simples, qui démarre à l'intestin grêle. Et à l'intestin grêle, elle se déploie dans tout le corps. Donc, elle va descendre vers le bas. Elle va passer sous la peau, elle est autour des os, autour des muscles, autour des vaisseaux sanguins. Il est partout, 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 mais c'est une seule pièce. C'est une seule pièce, mais qui se déploie de toutes sortes de façons. Qui, ensuite, ça remonte dans le buste, les bras, au bout des doigts, le fascia. Vous en avez partout, partout. Le périostre, c'est fait partie du fascia. Vous avez le fascia sous la peau directement, etc. Ça, vous avez la tête, etc. Et la circulation dans le fascia se fait de l'intestin grêle vers tout le bas du corps. Ensuite, ça remonte là-haut, ça passe devant, ça passe sur la tête, ça descend sur la nuque, ça se répand dans le fascia dos, et ensuite ça rejoint le gros intestin. Et qu'est-ce qui se balade là-dedans? Eh bien, au niveau de l'intestin grêle, le bol alimentaire se divise en 3 parties. Vous avez une partie qui va vers l'extérieur, les selles, les urines. Ça, vous le savez, je pense. Vous avez une partie qui va dans le sang. Il y a le chat qui arrive là. Il y a une partie qui va dans le sang pour nourrir, j'appelle ça le service des urgences, la partie qui va dans le sang. Et puis, vous avez une partie qui sont les graisses brunes et qui part dans le fascia. Et il faut que... Je suis désolée. Voilà.
les graisses brunes doivent pouvoir circuler dans tout le corps. Elles ont 18 fonctions. Parmi leurs fonctions, elles ramassent toutes les cochonneries qu'elles trouvent en route, que le fascia absorbe quand il travaille. Et elles apportent tout ça vers la sortie. C'est pour ça qu'elles vont prendre... Non, mais elles n'aiment pas quand je fais des zooms. Elles détestent. Voilà, allez. Et donc, le fascia, quand il vibre, il faut qu'il vibre. Pour pouvoir vibrer, il faut qu'on soit à température moyenne 36,6. Si on est au-dessus ou en dessous, il ne vibre plus. Donc, il ne travaille plus. S'il vibre, c'est comme l'intestin. L'intestin vibre aussi. C'est quand il vibre qu'on peut expulser ses excréments. Eh bien, pour que les graisses brunes puissent circuler correctement dans tout le corps, il faut que le fascia vibre, il exerce des micropressions qui vont projeter petit à petit ces fameuses graisses brunes. Voilà. C'est très important de bien comprendre ça. Et il va donc les faire travailler. Oui. Et en les faisant travailler, parce que les graisses brunes ont 18 fonctions, mais ces fonctions ne fonctionnent que si on n'est pas en état inflammatoire. C'est très important de comprendre ça. Et les graisses brunes, leurs 18 fonctions ne fonctionnent pas avec du mauvais gras blanc ni avec du mauvais gras jaune, et encore moins avec une température trop haute ou trop basse. Et trop haute, ça peut être 1, 2 ou 3 dixièmes. C'est très très peu, puisque 6 dixièmes, c'est énorme. Pour vous donner une idée de la connaissance de l'état inflammatoire, quand j'étais à l'école primaire, je n'avais pas les mêmes cours que vous avez eus. Nous avions des cours d'hygiène du corps. C'était pas prendre sa douche, ça oui, bien sûr, ça en faisait partie. Mais on nous apprenait à reconnaître les diverses maladies, la tuberculose, la rougeole, la scarlatine. Moi, j'ai appris tout ça par cœur quand j'ai eu mes enfants. Je connaissais par cœur tous les symptômes. J'ai pas eu besoin de regarder dans un bouquin. Je savais d'office parce que j'avais appris ça pour passer le certificat d'études. C'était comme ça à cette époque-là. Et j'ai chez moi ici des cahiers, qui ont des facsimilés de cahiers d'école de primaire qui ont été faits par la FNAC et où on retrouve toutes ces prescriptions. On vous explique qu'il ne faut pas boire d'alcool, ce n'est pas bon, etc., etc. Enfin, il faut bien mastiquer. Il y a des textes, il faut apprendre à bien mastiquer, c'est très, très important pour la santé, pour les dents, etc. Tout ça, ça s'apprenait à l'école primaire. Et on nous demandait régulièrement, les enseignants, pendant toutes les années scolaires, à peu près une fois ou deux par mois, les enseignants nous disaient « Prenez votre température le soir avant de vous coucher », c'est-à-dire température rectale, il n'existait que des thermomètres au mercure à cette époque-là. Si vous avez 37,1 ou 37,2 le soir, vous entendez bien ce que je dis là? Si vous avez 37,1 ou 37,2 en température rectale le soir, vous recommencez le lendemain et le surlendemain. Si cette température se maintient 2 ou 3 jours, il faut aller à l'hôpital, faire une radio, parce que c'est peut-être la tuberculose. Parce que la maladie qui tuait quand j'étais enfant, c'était la tuberculose. Et on avait très peur de la tuberculose. Et on la surveillait de près. Et je peux vous dire que quand j'étais en classe de seconde, c'était en 1956 dans le Jura à Dole. Dans ma classe, il y avait deux jumelles qui s'appelaient Cretin. Elles habitaient Arquesnan, qui est dans le Jura. Pour ceux qui connaissent le Jura, Arquesnan, il y a des salines magnifiques. Eh bien, elles ont été détectées en primo-infection de tuberculose grâce à 37,1, 37,2, parce que elles aussi, leurs parents qui avaient appris à l'école qu'il fallait contrôler cette température, leur contrôlaient leur température une fois par mois. Et quand il y avait 37,1, on reprenait le lendemain et le surlendemain. Comme ça se maintenait, eh bien on allait à l'hôpital, on faisait une radio et on voyait qu'il y avait une tache dans les poumons. Vous voyez la chose. Donc avant, les médecins faisaient très attention à la température, mais ils n'y font plus attention depuis que la chimie a envahi la médecine. On ne leur apprend plus ça, du tout. C'est totalement sorti des cours. Et c'est pour ça que l'état inflammatoire chronique bas s'est installé chez les gens sans que personne ne s'en méfie. Y compris les médecins eux-mêmes sont en état inflammatoire chronique bas. Ils ne le savent même pas.
Vous voyez ? Et donc, cet état inflammatoire chronique bas, vous pouvez avoir tous les symptômes, par exemple, avoir le gène de la spondylarthrite par vos deux parents, avoir des gènes vraiment qui font que vous devez avoir une spondylarthrite ankylosante si vous mangez mal, si vous êtes épuisé, si vous êtes trop fatigué, etc. Ça peut se déclencher, mais ça ne se déclenche pas si vous n'êtes pas en état inflammatoire. Et je peux vous dire que je ne compte plus le nombre de personnes avec des spondylarthrites ankylosantes qui n'ont plus du tout tous les effets de ça, qui vont bien, qui vivent normalement. Mais c'est la même chose avec la fibromyalgie. C'est la même chose pour la fibromyalgie. Ce qui m'est arrivé était rigolo. Je suis invitée un jour sur Direct 8 par Charlotte Savreux, qui est une journaliste qui faisait une émission en santé. C'était Marc Menant qui m'avait fait faire au moins 150 émissions, qui lui avait conseillé de m'inviter. Donc elle m'invite et elle avait regardé mon livre et tout, sa maman s'intéressait à ce que je faisais. Et Charlotte, juste avant la première émission que je fais avec elle, me dit, pour ma pauvre maman qui a une fibromyalgie depuis 10 ans, ça, votre méthode ne doit pas pouvoir faire grand-chose. Elle me dit, mais elle est très embêtée, ma maman, parce qu'elle mange bio, elle fait attention et tout, et elle ne peut plus rien faire, elle a des douleurs partout, elle est obligée d'arrêter de travailler, c'est abominable. Et elle me dit ça. Et je lui dis, si votre maman suit ma méthode, comme je le dis, c'est-à-dire bain dérivatif, le miam au fruit, miam au 5 et argile sur le ventre 2 heures tous les jours, et bien dérivatif tout le temps qu'elle est chez elle, du froid dans l'entrejambe le jour, la nuit, dans un mois, elle n'a plus de douleur, c'est terminé. Et Charlotte me dit, si, je dis si votre maman fait bien, c'est ça. Charlotte me dit, je vais dire à ma maman, si ça marche, vous viendrez tous les mois. J'y suis allée tous les mois pendant 1 an et demi jusqu'à ce qu'on vire Charlotte, parce qu'elle ne vendait pas assez de chimie. Mais vous vous rendez compte, c'est le docteur Cohen qui l'a, Jean-Michel Cohen qui l'a remplacé pour vendre des médicaments et des compléments. Mais n'empêche que tout le temps qu'elle est restée, elle m'a fait venir tous les mois parce que sa maman n'avait plus de douleur. Et ce n'était pas la seule, il y en avait eu beaucoup d'autres. Ça, sur les scléroses en plaques, j'ai eu une nana qui avait une sclérose en plaques qui était grabataire depuis 2 ans. Ça faisait 15 ans qu'elle avait cette sclérose en plaques. Son mari avait changé de travail pour être à côté d'elle. Et elle était tout le temps frigorifiée. Pour aller uriner, c'était tellement difficile pour elle, elle n'arrivait pas à uriner tellement elle était frigorifiée. Il était obligé de mettre un chauffage infrarouge sur elle et faire couler le robinet du lavabo pour stimuler la miction. C'était vraiment très compliqué. Elle était suivie par un grand professeur qui venait la voir 2 fois par an pour lui donner des médicaments, suivie par un médecin qui était homéopathe et qui faisait diverses choses, et un ostéopathe qui faisait diverses manipulations, et un naturopathe. Elle avait tout ça. Et tous lui faisaient manger que du chaud, donc que de l'oxydant. Il lui faisait manger que du chaud puisqu'elle avait froid tout le temps. Donc, il ne lui fallait pas de froid, pas de cru, pas de froid. Rien du tout. Elle arrivait, au moment où elle m'a découverte, elle n'arrivait même plus à lire. Elle écoutait la télé et elle m'entend sur Direct 8, c'était un début janvier, un 4 janvier. Elle m'entend à la télé que son mari avait mis parce que c'était une émission sur la santé. Et elle m'entend parler de bains dérivatifs et de miam aux fruits. Et elle dit à son mari, tu commandes tout de suite la méthode et tu me commandes les poches froides et puis tu me fais des miam aux fruits, j'en veux 2 par jour. Il lui dit, mais ça va pas, on te dit de manger, tu grelottes, tu vas pas mettre du froid dans l'entrejambe. Non, 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 c'est ça que je veux, c'est ça que je veux. Elle a mis du froid dans l'entrejambe, elle a mangé 2 fois par jour le miam aux fruits. Elle a vomi 2 fois, elle s'est évanouie 1 fois. Je ne la connaissais pas, elle ne m'a pas contactée. Elle a juste suivi la méthode. Elle m'a contactée plus tard, 3 semaines plus tard. Mais elle a suivi très, très, très à fond ce que je disais. En 1 semaine, dès qu'elle ne mettait plus de poche, elle avait l'impression d'être bouillante. Elle m'a dit, les 2 heures où mon mari ne peut pas me mettre les poches, j'ai l'impression d'être en ébullition. Ses urines sont devenues brûlantes alors qu'elles étaient glacées. C'est-à-dire qu'elle était en train de perdre toute l'inflammation interne. Alors, ce que j'ai oublié de vous dire, c'est qu'elle avait aussi de l'oxygénation, 16 heures d'oxygénation par jour. Et quand elle enlevait les tuyaux du nez,
c'était sanguinolent, c'était douloureux, c'était horrible. Eh bien, elle a diminué l'oxygène en l'espace d'une semaine. Trois semaines après, elle n'avait plus besoin d'oxygène du tout. Elle marchait et c'est là qu'elle m'a appelée. Et elle m'a envoyé un mail, je lui ai dit, ben, appelez-moi, expliquez-moi. Donc, elle m'a raconté. Et elle m'a envoyé des mails comme ça tous les jours jusqu'au mois de juin. C'était très, très… elle galopait, tout allait bien. Et puis, juillet, août, j'ai plus de nouvelles. Mais moi, j'étais en stage de longue durée, des stages d'une semaine avec des stagiaires, tout ça. Donc, et fin août, une stagiaire, on parle de sclérose en plaques. Et là, je dis, eh ben, j'en ai une. Soit elle est morte, soit elle va tellement bien qu'elle m'oublie. Je dis parce que ça fait 2 mois que je n'ai pas de nouvelles. Je vais quand même lui envoyer un mail. J'envoie un mail en me disant, oh là là, pourvu qu'elle ne soit pas morte. Et puis, en fait, elle me répond, ça fait 2 mois que mon mari me tanne pour que je vous écrive, mais je suis allée à une exposition canine, je suis allée voir des tableaux à tel endroit, j'ai fait ci, j'ai fait ça, elle me raconte tout ce qu'elle a fait. Tellement elle était contente de revivre complètement, elle avait 42 ans, hein. Super heureuse de revivre. Voilà. Donc, ça vous donne un petit peu une idée de choses qu'on peut obtenir. Mais elle n'est pas la seule, hein. Je peux vous en citer d'autres comme ça, mais on n'a pas le temps. Mais à la fin de l'émission, on va tous avoir des pochettes dérivatives et des bouteilles glacées entre les jambes. Mais n'empêche que, par exemple, la recherche la plus officielle au Japon, à Saint-Pétersbourg, en Allemagne et aux États-Unis, dès 2008, avait établi que si on faisait descendre la température de 3 dixièmes, 2 ou 3 dixièmes, pendant, par exemple, 3 semaines, eh bien, on pouvait perdre 3 à 4 kilos, qu'on avait de mauvais gras, hein, qu'on n'avait plus de douleur, que l'immunité montait au maximum, très important en ce moment, et que la sérotonine montait jusqu'à l'euphorie. La sérotonine, c'est un antistress naturel. Donc, ça, ça avait été établi dès 2008 par 4 pays qui avaient travaillé sur la température interne. Vous vous rendez compte? C'est extraordinaire. Donc, vraiment, alors, ce qui se passe avec le bain dérivatif quand on a du mauvais gras, par exemple, eh bien, ça chasse le mauvais gras pour y mettre du bon gras si on mange comme il faut. Et alors là, il faut manger miam au fruit, miam au 5. Les deux préparations font faire des graisses brunes, à condition de bien mastiquer lentement et de bien respecter les proportions, les choses qu'il y a dans ces recettes. C'est très important. Et ces graisses brunes, parmi leurs fonctions, elles chassent le mauvais gras. C'est une très bonne nouvelle parce que, et sans que le corps se ramollisse, c'est-à-dire le corps se raffermit. Ça, vous avez vu l'histoire des membranes cellulaires, elles se resserrent. Au lieu d'être en expansion, elles se resserrent. Vous avez les cellules souches qui sont là-dedans, c'est fabuleux. Ces graisses brunes réparent les vaisseaux sanguins. Si vous avez une petite hernie, elle va se défaire et elles vont réparer. Elles empêchent la formation des caillots. Les gens qui sont vaccinés en ce moment, ils ont intérêt à faire miam au fruit, miam au 5 et bain dérivatif parce qu'ils risquent d'avoir des caillots qui se forment avec le vaccin. Toutes les études le montrent. Eh bien, ils peuvent lutter contre ça en faisant miam au fruit, miam au 5, bain dérivatif, tous les jours, tous les jours, tous les jours. C'est quand même sympa parce qu'il y en a qui se sont fait vacciner totalement contre leur gré, de peur de perdre leur travail parce qu'ils ont des enfants, etc. Donc, il faut qu'on les aide. Donc, il faut leur apporter ces choses-là qui peuvent les aider vraiment. Vous voyez, ça ne va pas tout éliminer, mais ça va permettre de vivre beaucoup mieux. Vous voyez, et ça, c'est important. Ces graisses brunes régulent le sucre, régulent le cholestérol. Qu'est-ce qu'elles font encore? Je ne sais plus, elles font beaucoup de choses. Elles régulent l'appétit. J'ai eu beaucoup d'anorexiques, des jeunes anorexiques ou boulimiques qui venaient faire des stages avec moi. Et vraiment, le bain dérivatif et le miam au fruit, c'est ce qui les a le plus aidés de façon extraordinaire. Très important, parce que l'anorexie, ça peut faire mourir. La boulimie aussi. Donc, c'est vraiment un cadeau à faire à des jeunes, de leur faire découvrir la méthode. Vous voyez ? Alors, si vous avez des questions. J'ai beaucoup de questions. Oui. Vas-y, les questions. C'est parti pour vos questions. Je sais que vous les attendez. Alors, est-ce qu'on met des poches froides 24 heures quand on est malade type virus?
Alors, il faut mettre des poches froides tout le temps. Quand on n'est pas malade déjà, on met des poches. Et quand on est malade, on en met encore plus. Le plus possible. Alors, c'est ça. Moi, c'est ça que je trouvais. J'ai mis des années, plusieurs années à comprendre pourquoi. Quand on a la température qui est trop basse, en mettant du froid dans l'entrejambe, on la fait remonter. J'avais du mal à comprendre pourquoi. Mais c'était, il lui suffit de réfléchir 10 secondes. Parce que quand on fait travailler le fascia, il fait travailler les graisses brunes. Et les graisses brunes qui sont sous la peau sont des radiateurs. Et donc, elles nous réchauffent. Elles nous ramènent à la bonne température. Vous voyez, quand on a une température trop élevée, ça nous ramène à la température correcte. On comprend puisque le froid en bas va attirer la chaleur interne. Mais par contre, et vous verrez d'ailleurs que les urines deviennent très très chaudes parce qu'on expulse énormément de chaleur interne. Mais à l'inverse, quand la température est trop basse, eh bien ça met en marche les petits radiateurs qui sont sous la peau, que sont les graisses brunes, qui fonctionnent comme des radiateurs, parce que parmi les fonctions en question, j'ai oublié de vous le dire, elles régulent la température du corps. Donc, comme elles régulent la température du corps, ça c'est le docteur Jamina Berry qui a le plus travaillé sur les graisses brunes et qui dit qu'elles fonctionnent comme des radiateurs, précisément, eh bien, ça vous fait remonter la température interne à la bonne hauteur. Donc, mettre des poches froides quand on est en hypothermie, c'est une très bonne idée. Ok. Il y a Sonia qui nous dit « Comment faire pratiquer un bain dérivatif à un enfant de 3 ans ?» Alors, un enfant de 3 ans, je le fais asseoir sur des poches froides. Il a besoin de moins d'heures que nous. Quand, par exemple, on lui raconte une histoire, il s'assied sur une poche froide qu'on met… On s'arrange pour que ça soit au milieu, entre les fesses, quoi, en gros, mais on ne le déshabille pas, on ne lui met pas dans ses vêtements. Il s'assied tout habillé sur une poche froide pour regarder un film, pour manger pendant le repas. Il peut être assis sur une poche froide. Chaque fois qu'il est assis tranquillement, il peut avoir une poche froide. On peut aussi, s'il a des couches, par-dessus la couche à l'extérieur, mettre une poche et la faire tenir avec une culotte. Mais moi, je ne mets rien dans les slips des enfants et des ados, qu'ils le fassent d'eux-mêmes, parce qu'ils savent qu'on peut faire comme ça. Ça va très bien. Mais je ne veux pas qu'aucun adulte, ni parent, ni papa, ni maman, ne mette quelque chose dans le slip de son enfant, parce que c'est l'intimité absolue. Et il vaut beaucoup mieux, les ados et tout ça, ils peuvent s'asseoir dessus. Ce que je conseillais aux mamans, enfin aux papas, c'est de faire un dessus de chaise noir, par exemple avec un élastique, et puis avec une poche centrale, et on glisse la poche dessus. Comme ça, ils peuvent être devant leur lit, faire leur devoir comme ça. Et si un copain rentre dans la chambre, on voit pas de poche. Le copain va pas dire « qu'est-ce que c'est que ce truc-là, c'est bizarre ». Sauf s'il va s'asseoir sur cette chaise-là. Mais ça permet de la discrétion et de l'efficacité. Ouais, top, bonne idée. Et les enfants sentent très bien quand ils en ont besoin, parce que moi j'ai des copines qui me disaient « Ah ben je sais quand ma fille qui est en sixième a des contrôles, parce qu'elle va chercher les poches dans le congélateur et elle me demande de venir mon fruit. » Ah, ah ben parce que c'est excellent pour la mémoire, pour la concentration, pour l'attention, pour le cerveau, c'est extraordinaire. Écoutez, moi je vais avoir 80 ans, je vous garantis que c'est bien grâce à la méthode que ma mémoire fonctionne comme à 20 ans. Hein. Ouais, c'est vrai que tu es au top de ton énergie. Je crois que même des gens de 30 ou 40 ans n'ont pas autant d'énergie parce que tu travailles comme une dingue. Tu es tout le temps en train de bosser en fait. Ah oui. Il y a Jean qui nous dit « C'est important pour moi de connaître les différences sur le corps entre faire un bain dérivatif à l'eau froide et les serviettes 36-6. » Et le ? Et les serviettes 36-6, c'est quoi la différence ? Alors, la différence, c'est que c'est pas des serviettes, hein, c'est des poches. Attention au vocabulaire. Ces poches froides font un travail beaucoup plus en douceur. Et aujourd'hui, alors c'est ce qu'expliquait le docteur Vander. Je vous ai parlé du sportif, là, qui est un grand sportif, et qui fait, mais il n'a pas de prothèse, il n'a rien du tout, il n'a pas de traitement, il n'a rien, qui peut être expulsé rapidement par le bain dérivatif. Et donc, il peut se permettre de faire ça.
Mais s'il avait des stènes, ça serait hors de question, parce que les stènes pourraient glisser. S'il avait un pacemaker, c'est hors de question. S'il avait une greffe d'organe, c'est hors de question. S'il avait des pivots, ils peuvent tomber, les pivots. Les implants ne bougent pas, apparemment, mais les pivots sautent. Vous voyez, c'est quelqu'un qui aurait une prothèse au genou, etc., la prothèse pourrait bouger. Parce que le fascia passe partout et qu'il va vibrer, et qu'il va, en plus il va enlever du mauvais gras, etc., et ça peut bouger tout ça. Vous voyez ? Donc, le bain dérivatif avec le bidet, il ne coûte rien, mais il est très puissant. Moi, je dis violent pour les gens d'aujourd'hui. Et Vander dit que quand les gens ne sont pas en pleine énergie, le bain avec l'eau est trop fort, trop puissant pour eux. Que ça peut vraiment même leur faire des troubles parce que c'est beaucoup trop fort pour eux, qu'il vaut beaucoup mieux leur mettre que des poches. Voilà. Mais par exemple, le cas dont je vous parle, le calcul, j'ai vraiment bien mesuré la puissance physique de la personne, son âge, qui est très important, et le fait qu'il n'a aucune prothèse, rien du tout, absolument rien. Vous voyez, c'est très important. Et c'est pour ça que dans un livre, je ne peux pas conseiller le bain dérivatif avec l'eau, parce que je ne sais pas qui le lit. Et les gens, quelquefois, ils ne savent même pas ce qu'ils ont dans le corps. Je connais des personnes, par exemple, qui se sont fait faire une opération, je ne sais pas quoi, et je dis, est-ce qu'on vous a posé du matériel ? Ah ben ça, je ne sais pas. Ils demandent au chirurgien, ah ben oui, il y a un petit filet qui a été posé. Ah ben alors, il ne faut pas faire de bain dérivatif avec l'eau, parce que sinon, il va se décrocher, parce que le corps va expulser tout ce qui n'est pas bon. Je vais donner un exemple, une dame qui a eu une césarienne quand elle avait 25 ans. 30 ans plus tard, elle a plein de vergetures sur le ventre et elle a envie d'enlever ses vergetures et en même temps, elle veut faire des bains dérivatifs pour mincir. Donc, elle fait des bains dérivatifs, elle met de l'argile pour ses vergetures, mais elle fait les bains dérivatifs à fond, très très fort. Et pendant presque 2 ans, elle va voir sortir sous son nombril, d'abord sous forme d'un bouton blanc, et après, elle va voir sortir un à un les morceaux de la couture. Parce que quand une couture est résorbable, elle ne disparaît pas. Elle se casse en petits morceaux et elle reste à l'intérieur. Ça fait comme des petits anneaux qui restent comme ça. Voilà. Ou des demi-anneaux. Eh bien, tous les morceaux sont sortis un à un pendant 2 ans sous son nombril. Pas par le nombril, mais à 2 cm sous le nombril, en faisant comme un bouton à chaque fois. Hop, et ça faisait sortir. Voilà. Donc, attention. Le stérilet cuivre argent ne pose aucun problème. Je ne sais pas ce qui se passe avec le stérilet à hormones. Si ça se trouve, ça élimine toutes les hormones. Je ne sais pas. C'est hyper puissant tout ce que tu dis. Pardon ? C'est hyper puissant. C'est hyper puissant. Très puissant. Ah ouais. C'est très puissant. C'est pour ça qu'on ne peut pas le faire faire à n'importe qui. Donc, mais dans des cas extrêmes, quand il y a urgence pour faire quelque chose, je le fais faire, mais je m'entoure de garantie. J'ai eu un monsieur, par exemple, de 70 ans, qui avait aucune prothèse ni quoi que ce soit, mais il n'avait jamais fait de bain dérivatif. Et ce monsieur avait un adénome de 3 cm dans la prostate. Il n'a pas fait du tout sur le bidet. Ça, c'est pour vous montrer que quand même les poches travaillent super bien. Il n'a pas fait du tout de bain dérivatif sur le bidet. Il n'a fait que mettre les poches non-stop jour et nuit. Argile sur le ventre et miam aux fruits. En 10 jours, la boule avait disparu complètement. Je peux vous dire que le chirurgien n'avait jamais vu ça de sa vie. Et son urologue n'a rien compris. Voilà. Mais ça a disparu en 10 jours. Moi, je ne savais pas, je n'aurais jamais imaginé. Ce monsieur m'avait téléphoné parce qu'il voulait se préparer à une opération. Il n'avait jamais été à l'hôpital de sa vie. Et je lui ai dit, on va préparer comme ça. Mais je ne savais absolument pas ce qui allait se passer. Je n'en avais aucune idée. Et j'ai raconté ça dans une salle avec 300 personnes et où il y avait le professeur Joyeux au fond, je n'avais pas vu. Et après, il est venu me féliciter pour les prostates que je sauvais. Je lui ai dit, j'adore les hommes, alors je les garde en bon état. Et
Et alors, j'ai eu la honte de ma vie parce que je lui ai dit, j'ai lu 3 de vos livres. Il m'a dit, moi, j'ai lu tous les vôtres, y compris ceux de navigation. Alors là, c'était la honte de ma vie. Mais enfin, voilà. Donc, mais tu vois, c'est pour dire que les poches seules peuvent obtenir des résultats très intéressants. Mais il y a des moments où il y a certaines urgences où, si on peut en plus faire le balayatif sur le bidet, c'est un avantage. D'accord. Alors, j'ai d'autres questions pour toi. Est-ce qu'on peut dire que l'hypertension est un état inflammatoire? Complètement. Et les graisses brunes régulent la tension. Le miam aux fruits et les graisses brunes régulent la tension. Si vous lisez la méthode, vous verrez à la fin du chapitre sur le miam aux fruits, il y a une étude qui a été faite aux États-Unis cette étude a montré qu'avec 8 portions de crues dans une journée, de végétaux crus dans une journée, on ramène l'attention au bon endroit. Or, le miam aux fruits, c'est 2 fois 8. Donc, il n'y a aucun doute, c'est l'étude. Mieux, c'est d'acheter le livre, la méthode, parce qu'il y a vraiment tout dedans. Vous avez tout ce qu'il faut, c'est qu'un livre. Et vous l'avez en permanence avec vous et vous pouvez le refaire et même le partager à vos proches, partager la conférence. C'est l'étude DASH, D-A-S-H, Dietary Approaches to Stop Hypertension. C'est une étude pour stopper l'hypertension. Et rien que le miam aux fruits, déjà, lui tout seul, y arrive. Sachez aussi que pour l'hypertension, ça peut être lié, paraît-il, quelquefois au cholestérol. Pour ramener le cholestérol à la bonne mesure, la légumineuse, tous les jours, la cuillère légumineuse est extraordinaire. En quelques semaines, elle vous régule votre cholestérol. Aux États-Unis, ça fait déjà plus de 50 ans que pour réguler le cholestérol, on demande aux gens de manger 20 chili beans, tu sais, les gros haricots rouges, 20 gros haricots rouges par jour pendant 20 jours. Et au bout de ces 20 jours, le cholestérol est descendu. Ok. La légumineuse tous les jours, une cuillère de légumineuse, c'est extraordinaire. Alors, on continue. Adeline qui nous dit, que propose la méthode quant à la candidose et aux fausses couches à répétition? Ah ben, c'est deux choses complètement différentes. Hein. mais ça, la candidose s'en va, ça, y a aucun doute. Le miam aux fruits, c'est le seul sucre que déteste le candidat. Alors, dans un premier temps, il est hyper excité parce que ça l'agace. Il fait vraiment la java dans l'intestin et on le sent beaucoup plus fort. Mais avec le temps, il ne peut pas se nourrir de ce sucre-là. Le candidat n'aime que les mauvais sucres. Il n'aime pas les sucres naturels crus des fruits. Donc, c'est important à savoir. Et par rapport aux fausses couches? Alors, les fausses couches, ça concerne la fertilité. Dans la méthode, j'explique bien tout ce qu'il faut faire. C'est bien dérivatif. Alors, attention, les fausses couches, on est deux. Hein. Les hommes provoquent aussi les fausses couches. À partir de 35 ans, beaucoup de fausses couches sont provoquées par les spermatozoïdes. On ne le dit pas. Chaque fois que c'est dit, et même les hommes peuvent donner la trisomie. Mais chaque fois que c'est dit sur une radio, dès le lendemain, vous avez un grand professeur qui vient hurler que les femmes doivent avoir des enfants très jeunes, parce qu'ils ne supportent pas qu'on dise que ça peut venir des hommes. Mais on est deux quand on fait un enfant. Et des spermatozoïdes qui ne sont pas en bon état provoquent des fausses couches. Puisqu'on parle de spermatozoïdes, en Suède, ils ont fait une étude très intéressante qui a été publiée le 1er janvier 2001, facile à retenir. Ils ont mis dans une pièce des hommes qui étaient déshabillés, enfin qui avaient un t-shirt, hein, mais qui n'avaient pas de pantalon. Il y en avait qui étaient nus, qui n'avaient pas de slip, et puis il y en avait qui avaient un caleçon ou un slip. Et on avait mis des thermomètres
contre les testicules, des petits thermomètres contact, contre les testicules. Et on s'est rendu compte que ceux qui avaient un slip avaient la température des testicules qui montait de 3 dixièmes. Eh bien, rien que cette température-là suffit à déformer les spermatozoïdes qui vont provoquer les fausses couches et à affaiblir le taux de spermatozoïdes des hommes. Il suffit de 2 ou 3 dixièmes. Ça veut dire que les vêtements, il y a une étude qui a été faite aussi par les sécos, c'est-à-dire les banques du sperme. Ils ont comparé le sperme de tous les Européens. Eh bien, devinez quels sont les hommes qui avaient le sperme le plus vigoureux, le plus abondant et le plus efficace. Vous ne savez pas ? Le meilleur de tout, les Écossais quand ils sont nus sous leur jupe. Voilà. Je ne t'entends plus là, hein ? Les Écossais, quand ils sont nus sous leur jupe. Et le plus mauvais, c'était les Parisiens avec des jeans très serrés. Et au même niveau, les camionneurs et les taxis. Si vous saviez en France le nombre de taxis qui ont des poches froides, qui ont une glacière et qui ont des poches froides, il y en a plein. Les camionneurs qui sont venus me voir aussi pour des raisons de fertilité, précisément. D'ailleurs, si vous allez sur Internet, les garçons, vous tapez snowball, vous tapez snowball, c'est-à-dire boule de neige, hein, snowball, vêtements, quoi, enfin, slip, hein, snowball, comment on dit slip, je ne sais plus en anglais. Je sais par cœur, mais je ne sais plus, c'est pas grave. Eh bien, vous tapez là-dessus et vous allez voir qu'il y a des slips pour les garçons où on met des poches froides pour la fertilité. Ok. Et leurs poches ne durent pas très longtemps, c'est des petites poches de gel. Voilà. Ok, on va prendre d'autres questions. Snowball drag. Oui, alors vas-y. Ok. Eugénia qui dit, après une intervention chirurgicale de la vésicule, peut-on faire des barrettes dérivatif, y a-t-il un temps d'attente ? Alors, il est bien écrit dans la méthode que quand on vous a simplement enlevé quelque chose et qu'il n'y a pas eu de pause matérielle, eh bien, on peut faire les bains dérivatifs tout de suite sans aucun problème. Au contraire, c'est recommandé. Mais il faut toujours demander au chirurgien s'il y a eu une pause quelconque de matériel. Parce qu'ils font ça tellement machinalement. Maintenant, ils mettent des trucs, ils attachent, ils font des trucs. Il faut leur demander ce qu'ils ont fait. Exactement, en détail. Et c'est parce que ce qu'ils ont ajouté en matériel, avec des plastiques spéciaux et tout ça, ça peut se décrocher si vous faites ça tout de suite après une opération. Ça va se décrocher. Vous voyez ? C'est pour ça qu'il faut toujours demander au chirurgien qu'est-ce qui a été fait ? Est-ce qu'il y a eu pose d'un matériel quelconque ? Est-ce qu'on a mis un filet, un bout de plastique, quelque chose ? Est-ce qu'on a recousu ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Il faut le savoir. Ok, Val qui nous dit, possibilité d'utiliser le bain dérivatif après une césarienne ou un accouchement bas ou l'allaitement ? Alors, après une césarienne, ça ne pose pas de problème majeur si on met des poches. Avec les poches, le risque est vraiment diminué de façon extraordinaire. Et après une césarienne, je trouve vraiment une très bonne idée de mettre du froid dans l'entrejambe. D'ailleurs, sachez qu'en France, un jour, Rika Zaray est allé à une émission de Ruquier. À la télé, ce genre on n'est pas couché ou un truc comme ça. Et quand elle est arrivée, ils ont commencé à vouloir se moquer d'elle, parce que c'était leur jeu de se moquer de sa cuvette et son bain de siège. Et elle a dit attendez, avant de vous moquer de moi. Elle a sorti un bout de papier de sa poche et elle a dit voilà, j'ai ici la liste de 14 maternités, dont certaines d'hôpital à Paris, qui font faire un truc qui ressemble à ce que je fais. C'est un petit peu différent. Le nom est beaucoup plus chic. Ça s'appelle bain dérivatif. Ces maternités le font faire immédiatement, dès le lendemain après l'accouchement. Voilà. Pour justement bien fermer les épisiotomies, pour que ça cicatrise en douceur, pour les césariennes, etc., etc. Ok, voilà. C'est très intéressant d'être avec toi pour avoir les références et les histoires du passé, les anecdotes, c'est vraiment très enrichissant. Marianne qui dit, les bains dérivatifs pendant les règles et en postpartum, est-ce que c'est bon ?
Alors là, c'est à votre confort. Parce que quand j'ai écrit le tout premier livre, j'avais copié ce que disait Louis Kuhn. Il disait « pas pendant les règles ». Bon, ben, j'avais recopié « pas pendant les règles ». J'ai à peine publié le livre, il sort, et ma fille aînée, qui avait 14 ans ou 15 ans, me dit « ah ben maman, tu as écrit que pendant les règles, on ne le faisait pas, mais moi je le fais parce que comme ça, j'ai pas mal au ventre ». J'ai dit « tu aurais pu me le dire plus tôt ». Alors, après j'ai dit « ben c'est… à votre convenance, parce que je connais beaucoup de femmes qui mettent des poches froides pour ne pas avoir mal pendant leurs règles, pour être confortable. Puis il y en a d'autres qui trouvent ça très inconfortable. Donc c'est selon ce que vous sentez. Faites très confiance à vos sensations. C'est très important de faire confiance à vos sensations parce que votre cerveau vous envoie les sensations qui correspondent à votre corps, qui n'est pas le mien, qui n'est pas celui de la voisine. Vous voyez ? Nous avons tous des particularités. Pour l'alimentation, c'est la même chose. Moi, je vous parle de miam au fruit, miam au 5. Mais il y a tellement d'aliments différents pour faire ce genre de combinaison, selon les pays, selon les saisons, etc. Vous prenez, pour faire ces préparations, les fruits, les légumes que vous préférez. Ce n'est pas un problème. Mais c'est la combinaison qui est intéressante. Vous voyez ? Donc, c'est important de bien suivre vos sensations gustatives, parce que votre cerveau sait à tout moment ce dont vous avez besoin. Et ça change selon les saisons, selon que vous êtes fatigué, etc. Vous voyez ? Oui. Il est très important de se faire confiance. Moi, je peux vous enseigner des foules de choses sur l'alimentation, mais c'est toujours votre cerveau qui saura aller vers le bon aliment. Je vais vous donner un exemple. Quand j'attendais ma première fille à Tahiti, il y a 50, je ne sais plus combien, c'était en 1967, vous imaginez, eh bien, c'était la saison des avocats. Et moi, je connaissais bien l'île et je prenais ma voiture, j'allais au fond d'une vallée, je remplissais mon coffre d'avocats gratuitement et je mangeais que les avocats avec du jus de citron. Je vois le médecin qui me dit oh, « tiens, t'as un bébé, mais tu manges que des avocats ». Je dis « mais j'ai envie que de ça, c'était vraiment la saison, j'ai envie que de ça, j'ai pas envie d'autre chose ». Alors, il me dit quand même « c'est pas sérieux, essaye de manger autre chose ». J'achète des tomates, je les mange, je les vomis. Je retourne, je fais confiance à mon instinct, moi, je retourne sur mes avocats. Et je mange mes avocats. Et 30 ou 40 ans plus tard, sort un livre fait par 250 chercheurs qui étudie tous les aliments de la planète. Et l'avocat soigne l'hypertension, lutte contre le cholestérol. Alors pour une femme enceinte, contre l'hypertension, c'est une bonne idée quand même. Hein, et surtout, prévient les malformations congénitales. Mon cerveau avait tout compris. Vous vous rendez compte ? De même, chaque fois que j'attendais un bébé, je mangeais des bottes de persil, mais la touffe, la botte de persil, tous les jours comme une glace. J'avais une boulimie de persil jusqu'au sixième mois. Et après, non mais même jusqu'à la naissance. Jusqu'à la naissance, je mangeais du persil, mais vraiment par botte. Après, j'allais à la maternité, et quand je rentrais de la maternité, j'achetais mon persil, comme d'habitude. Mais je n'avais pas envie de le manger comme ça. Je le posais dans un verre avec de l'eau et je le laissais pourrir. Je l'oubliais à tous les repas. Et vraiment, je ne comprenais pas parce que je n'avais plus envie du tout, du tout, du tout. Et un jour, j'ai trouvé un livre d'herboristerie. On utilise le persil pour couper le lait. Donc, tant que je n'allaitais pas, j'avais très envie de persil, c'est très riche, etc. Et une fois que j'allaitais, je n'avais plus envie du tout de persil. Je ne le voyais même plus. Oui, c'est important de s'écouter, c'est marrant parce que ça vient valider. J'avais une question par rapport à toi, par rapport au sur le canal, parce que j'ai un canal de soutien sur WhatsApp, et qui me disait, je suis perdue, j'étais en train de commencer l'alimentation dissociée, et puis France, elle parle des miam aux fruits. Et en fait, c'est exactement la réponse que j'ai partagée, c'est de s'écouter et de tester ce qui est le plus juste, simplement. Voilà. Et ça peut changer selon les saisons, selon les périodes, selon le psychisme qu'on a, si on a des bonnes nouvelles, des mauvaises nouvelles, etc. etc. C'est extrêmement important. Et quelquefois, on n'a pas faim, mais il ne faut pas manger, c'est tout. Alors, il y a une question, AM, qui dit « J'aimerais savoir si on peut utiliser les bains dérivatifs après une opération de la cataracte. Si oui, combien de temps après ?» Ben, ça dépend de ce qui a été fait. Si on vous a mis une lentille, il me semble que c'est ça, non ?
il me semble qu'on vous met une lentille. Il faut pas faire de bain dérivatif du tout pendant au moins 6 mois. Et au bout de 6 mois, on peut mettre des poches froides. Parce que la cataracte, je pense qu'on vous met on vous remplace la cornée. Donc, on vous met une lentille. Donc, il ne faut surtout pas faire de bain dérivatif pendant 6 mois parce que ça pourrait bouger. Mais au bout de 6 mois, le corps l'a intégré. Ce que je ne vous ai pas expliqué, c'est que quand on vient de vous faire une opération, j'ai oublié de vous le dire, ça, c'est très important. Quand on vient de vous faire une opération et qu'on vous a posé un matériel, la réaction naturelle du corps, c'est de rejeter. Le corps fait tout pour expulser ce qu'on vient de lui mettre. Il n'y a que le stérilet qui ne rejette pas quand il est simplement posé et qu'il n'a pas de produit chimique. Parce qu'il est juste posé, il n'est pas rentré dans les chairs. Tandis que quand on vous a cousu, quand on vous a placé du plastique, quand on vous a placé du titane, quand on vous a placé diverses choses, des stènes, etc., la première réaction du corps, c'est le rejet. Et ça, les médecins, pendant très longtemps, étaient très vigilants avec ce qu'on appelle la phase de rejet qui durait entre 3 et 6 mois chez la plupart des gens. Entre 3 et 6 mois parce que la plupart du temps, ce ne sont pas des gens jeunes. Donc, leur capacité de rejet a diminué par rapport à 20 ans. Mais la capacité de rejet, normalement, elle est puissante. La plupart des gens aujourd'hui étant en état inflammatoire chronique bas, ils n'ont plus du tout de capacité de rejet. Donc, les médecins ne leur disent plus « Attention, ne faites pas ci, ne faites pas ça, parce qu'il y a un rejet possible. » Ils ne vous disent plus rien, puisqu'il n'y a plus de rejet, puisque les gens sont tous en état inflammatoire. Par contre, quand tu sors de l'état inflammatoire, tu retrouves ta vitalité, et à ce moment-là, forcément, tu vas accentuer la capacité de rejet du corps avec le bain dérivatif. Tu comprends? Mais au bout de 6 mois, le cerveau a accepté la chose. La zone de rejet est finie. Il a intégré. Et à ce moment-là, tu peux mettre des poches sans problème, mais jamais de bidet. Ok. Benjamin qui nous dit « Les bains dérivatifs ont mis en évidence une faiblesse du périnée d'une amie avec apparition de fuite urinaire à la 4e semaine. Pouvez-vous nous en parler, s'il vous plaît ?» Elle s'est mise à avoir des fuites urinaires parce qu'elle faisait le bain dérivatif ? Alors, les bains dérivatifs ont mis en évidence une faiblesse du périnée avec apparition de fuite urinaire à la 4e semaine. Oui, alors ça, c'est pas normal parce que c'est qu'elle a une infection urinaire. Parce que ça n'est pas du tout normal. Le bain dérivatif raffermit le périnée. Je peux vous dire qu'on a un exemple national qui est Sarkozy. Parce que je vais vous raconter l'histoire de Sarkozy, elle était très intéressante. Il s'est marié avec Carla Bruni. Carla Bruni pratiquait ma méthode déjà depuis des années. Parce qu'en Italie, il y a déjà des médecins depuis 25 ans qui font faire ma méthode, etc., que je connais, hein, des médecins, c'est des centres de cabinets médicaux et qui sont très, très branchés sur ma méthode. Et donc, les Italiens font partie des gens qui sont à la pointe de la recherche en médecine, hein, faut quand même le savoir, ça. Ils découvrent énormément de choses. Ce sont les Italiens qui ont créé la première fac de médecine en France, la fac de Montpellier. C'est pas un pays sous-développé, l'Italie. Alors, donc, Sarkozy, sa femme, donc, fait les bains dérivatifs et il a un peu de gras, il a quelques kilos en trop. Donc, elle lui fait faire les bains dérivatifs et il perd 7 kilos. Et comme il a minci, que ça se voit très nettement, la presse commence à dire « Sarkozy est malade ». Est-ce qu'il a fait un contrôle? C'est bizarre, il a perdu du poids rapidement, etc. Et il peut très bien avoir perdu les 7 kilos en quelques semaines. Hein. Donc, voilà ce qui se passe. Et là, il se trouve que Carla Bruni va en Grande-Bretagne. Et en Grande-Bretagne, il y a un journal People qui lui dit, qui l'interroge, qui dit « Qu'est-ce qu'il a fait Sarkozy pour mincir comme il a minci? Il est malade ou quoi ?»« Non, il a juste remusclé le périnée. » Voilà la réponse. Elle a répondu ça.
Et là, ça a fait, mais tout le monde a parlé de comment muscler le périnée, parce qu'elle expliquait qu'en musclant le périnée, il avait minci. Bon, et alors il y a plein de gens qui se sont mis à chercher quels exercices on peut faire. C'était à pleurer de rire, parce qu'il y a plein de gens qui se sont mis à faire des cours de musclage du périnée. Alors que le bain dérivatif, sa première fonction, c'est de muscler le périnée et justement empêcher toutes les fuites. La personne qui pose cette question ne sait peut-être pas que il y a plein de kinés qui sont venus faire des stages avec moi. Il y en a même qui font des formations diplômantes. Mais beaucoup sont venus vers moi. Quand je leur demandais pourquoi ils venaient, ils me disaient « parce que j'ai des patientes qui ont eu des résultats bien supérieurs à la rééducation périnéale ». Et souvent avec la rééducation périnéale électrique, je connais l'inventeur de cette chose-là d'ailleurs, c'est un ami, eh bien, ça ne marche pas toujours. Il y en a qui ont eu deux fois des séances complètes, deux séries de 12 séances, ça n'a rien donné, et avec le bain dérivatif, ça a marché très vite. Alors, ça n'est pas le bain dérivatif qui peut relâcher le périnée, ça c'est impossible. Par contre, si elle a eu des fuites, peut-être qu'elle a eu une infection urinaire ou des choses comme ça, mais ça ne peut pas relâcher le périnée, c'est le contraire. Je ne compte plus le nombre de femmes qui avaient besoin d'être opérées et qui n'ont plus eu d'opération parce que tous les organes sont remontés. Donc, je cite le cas d'une dame de 64 ans qui avait de tels problèmes de périnée qu'elle avait des massages kinés. Et je l'ai rencontrée début juillet. Et en septembre, on devait l'opérer, lui poser un filet, etc. Parce qu'après 2 ans de kiné, il n'y avait pas moyen de faire remonter les organes. Cette femme a fait, c'est hallucinant, elle a fait 4 heures de bidet par jour pendant 2 mois. Et elle a 4 heures de bidet, c'est du courage. Hein. Et elle a, quand elle est retournée voir sa kiné lui a dit « Mais qu'est-ce qui s'est passé ? » Tout est remonté, impeccable. Puis plus de fuite urinaire, plus rien du tout. Donc, cette découverte de fuite urinaire, c'est impossible que ça soit fait par le bain dérivatif. Elle n'a pas dû faire beaucoup de bains dérivatifs, je pense. Elle n'a pas dû faire 24 sur 24. Et donc, ça s'est révélé à ce moment-là. Voilà. Mais c'est le contraire qui se passe. Ça resserre et ça remuscle le périnée. Okay. Alors, d'ailleurs, je peux vous dire que la revue Psychologie a fait un dossier sur le périnée, précisément, et ils ont terminé en disant que la très bonne méthode, c'était le bain dérivatif. Et ils ne m'ont pas demandé. Hein, c'est eux qui l'ont dit. On a beaucoup de questions. On est déjà à presque 1h30. Oui. Si tu veux, on adore. Hein. Il y a déjà des questions. Nathalie qui dit, que pense France de l'allongorodystrophie, maladie extrêmement douloureuse avec la méthode. Qu'est-ce que tu en penses? Alors, si elle est très, très installée, je ne sais pas. Mais si c'est un début d'algodystrophie ou même que ça fait 6 mois ou 8 mois, ça vaut la peine de faire le bain dérivatif. Peut-être qu'il faudrait rajouter des applications d'argile, je ne sais pas, en plus. Mais d'abord, le bain dérivatif et le miam aux fruits, parce qu'il faut envoyer les cellules souches pour réparer. Tu vois ? De même, ça, on répare aussi les alus valgus. Hein, pour les grippes, hein. Ah ben oui, on n'a pas besoin d'opération. C'est génial. Le Dupuytren's, les doigts qui se recroquevillent, j'ai une amie qui est médecin, qui fait ses opérations, c'est sa spécialité à l'hôpital Saint-Louis à Paris. Elle m'a dit, dis bien à tous les gens qui ont un Dupuytren's, ça fait des boules dans le creux de la main, puis ça, c'est le canal... c'est le canal... Alors, je ne sais plus comment il s'appelle, ce canal, enfin, c'est pas grave, qui est bouché. Eh bien, ce Dupuytren's, elle dit, dis-leur de faire toute ta méthode à fond, mais qu'ils évitent l'opération, parce que les médecins leur disent qu'il n'y a pas de séquelles, mais c'est faux. On perd de la force dans la main, on n'a plus la même main. Ok. Elle fait connaître ma méthode aux étudiants de médecine. Il y a plein de personnes qui disent carpien, qui te donnent les réponses. Alors,
Jean-François qui nous dit qu'il faut prolonger le programme, il faudra faire d'autres conférences sur le lait, sur l'alimentation, tout ça. Donc, on va les bains dérivatifs, donc Marc nous demande, les bains dérivatifs peuvent-ils corriger une mauvaise posture? Oui, bien sûr. Enfin, ça aide, il n'y a pas que ça. Hein. Alors, quand on a une mauvaise posture, moi, je conseille d'abord de voir un ergonome, quelqu'un qui, dans ses métiers, et qui voit où ça pêche dans la façon qu'on a d'utiliser son corps dans son travail. Parce que ce sont quelquefois, c'est un petit détail qui a l'air de rien du tout, mais qui va aider formidablement. C'est vraiment la première chose, voir un ergonome. Il y a des gens très qualifiés pour ce genre de choses. Il suffit d'une séance ou deux séances maximum. Ensuite, il y a aussi des moyens, par exemple faire du trapèze. Ça se fait dans des écoles du cirque. Ça peut être excellent aussi pour remettre toute la colonne vertébrale, etc. Ça peut être très intéressant. Vous avez aussi la chiropractie. Quelque chose d'intéressant. Vous avez l'ostéopathie, vous avez l'éthiopathie. Tout ça, ce sont des choses qu'il ne faut pas négliger. Parce que selon les personnes, c'est un peu comme je vais vers l'aliment qui me va. Eh bien, il y a des personnes qui vont mieux réagir à une chose ou à une autre. Et le bain dérivatif, de toute façon, aidera énormément. Je peux vous citer un exemple de posture qui s'était complètement abîmée. Une fille de 25 ans, qui, quand elle avait 15 ans, a eu un accident de ski à la jambe droite. Et puis, progressivement, à 25 ans, elle avait carrément l'épaule droite basculée et vraiment une bascule de ce côté-là. Alors, je ne sais plus pourquoi, elle voulait mincir ou je ne sais quoi. Et moi, je la regarde, je lui dis, toi, tu as le foie complètement enrobé de gras. Elle avait 7 ou 8 kilos de trop. Elle me dit, pourquoi tu me dis ça? Je dis, parce que tu as le côté droit qui bascule, tu as l'épaule droite qui bascule. Ah, mais non, mais ça, c'est ma jambe. Je dis, non, c'est pas une cassure qui fait ça, c'est le foie qui tire. Et elle me dit, mais ça fait des années que je suis suivie par un ostéopathe, on me fait faire de la gym, etc., et on n'arrive pas à redresser, parce que c'est de pire en pire. Et bien, je dis, écoute, tu vas faire Miamofrim, Miamosac, tu mets de l'argile sur le ventre parce qu'elle avait en plus un fibrome ou je sais pas quoi. Et puis, tu fais le bain dérivatif. Et comme elle travaillait dans une école comme dame de service, elle pouvait apporter des poches froides. Elle avait un congélateur sur place. Elle pouvait en mettre. Donc, elle en a mis. Et la première personne qui l'a vu se redresser, c'est l'ostéopathe. Il lui a dit, ah non, mais là, votre corps est en train de se redresser. Qu'est-ce qui se passe? Parce que je ne comprends pas, c'est pas ce que je vous fais, parce que moi, ça fait des années que je travaille et je n'ai jamais obtenu ce résultat. Alors, elle lui parle du bain dérivatif. Il lui dit, madame, le bain dérivatif, c'est le meilleur des ostéopathes qui existent. Voilà ce qu'il lui a répondu. Il a dit, si vous connaissez le bain dérivatif, vous n'avez plus besoin de moi et plus besoin de personne. La même fille, l'école en question se trouvait l'autre côté de la rue de l'hôpital Saint-Louis. Cette fille, elle a besoin d'aller voir le gynéco, elle enlève sa blouse, elle traverse la rue en courant, elle arrive chez le gynéco et là, déshabillez-vous. Elle avait un gros cataplasme comme ça sur le ventre et elle avait la poche froide. Elle était hyper gênée parce qu'elle était devant tout le monde. Et alors, ils lui ont dit, vous inquiétez pas, on en voit de plus en plus comme ça, j'habite à côté, moi. On en voit de plus en plus. Il dit, ben, écoutez, ah oui, elle n'avait pas de fibrome. Elle avait des kystes sur les ovaires. Et ces kystes sur les ovaires sont partis complètement. Et ils ont accepté l'idée que c'était l'argile et le bain dérivatif parce que à l'hôpital Saint-Louis, il y a un chercheur spécialisé en cellules souches qui est venu faire un stage avec moi. Il y a deux chercheurs. Alors, il faut que tu nous parles aussi de ton actualité, de ce que tu mets en place sur le site internet en attendant qu'on te retrouve en réel un petit peu partout, enfin en physique. Déjà, la méthode, donc il y a les livres, mastiquer, il y a le livre, il y a les recettes avec ta fille, des miam aux fruits et des cinq éléments. Enfin, c'est comme ça, non, c'est pas comme ça que tu appelles cinq éléments. Il y a aussi celui-là qui est sept aliments précieux. Je parle des œufs, je parle de la sève de bouleau, de l'huile d'olive, etc., etc. Sinon, ce que tu as cité, ben, c'est ça. Il y a mon fruit avec ma fille, ça. C'est rigolo d'être
de faire un livre avec sa fille. Oui. Il y a le bâtiment, voilà. Et je dis toujours, les livres, ça peut s'emprunter, ça peut s'acheter à plusieurs, ils sont seuls prêts, ça peut se revendre sur eBay quand on les connaît par cœur. Un livre ne doit pas être un obstacle. Il y a toujours moyen d'arriver. Ça peut s'emprunter en bibliothèque aussi. Moi, j'ai jamais refusé qu'on mette mes livres en bibliothèque parce qu'il y a des auteurs qui refusent. Moi, au contraire, j'ai toujours poussé pour que mes livres soient aussi en bibliothèque. Je partage l'information. Que les gens puissent y avoir accès. Mais oui, parce que quelqu'un qui peut, qui n'a pas les moyens, n'a pas les moyens, c'est tout. Et puis celui qui a les moyens, il achète. C'est pas un problème. Est-ce que tu as parlé de tes formations en ligne? Alors, avoir accès en ligne, les formations certifiantes et tout ça. Oui, alors il y a deux manières de faire des formations en ligne. Il y a soit en direct, comme là par exemple le vendredi, samedi, dimanche, je fais un module sur les maladies dégénératives et pendant 3 jours on va travailler à fond. On commence à 9h du matin, on finit à 15-16h, enfin. Souvent, ça prolonge avec des questions parce que je suis très… je leur consacre très volontiers du temps. Et ça sera, il y aura des petits exercices à faire, bien sûr, avec ça. Et puis, il y a des zooms entre les modules. Il y a un module à peu près une fois par mois ou toutes les 6 semaines. Et entre les deux, on fait un zoom complémentaire sur un sujet un petit peu pointu. Voilà. Et donc, il y a 9 modules de 3 jours. Plus des zooms entrent, il y a des devoirs à rendre et il y a un examen final avec un jury, un vrai jury, c'est-à-dire 2 hommes, 2 femmes, un jury sérieux. Hein. Et puis, voilà, et remise d'un diplôme. Et une autre façon de faire, ça peut être de faire les modules chez soi tout seul parce qu'ils sont déjà enregistrés. Alors, c'est un petit peu moins cher qu'en direct, parce que c'est un peu différent. Mais après, l'examen final, il faut bien le faire quand même. Et puis, les devoirs, il faut les envoyer aussi. Et voilà, il y a la possibilité aussi pour ceux qui veulent faire juste un module, par exemple, sur l'ostéoporose, si ça les intéresse, ils peuvent faire ce module-là. On peut ne faire qu'un seul module, si on veut. Alors, pour ça, il faut écrire à Virginie Chanteloup. Comme elle habite à La Réunion, elle a marqué Bain Dérivatif Réunion. Alors, il y a des gens qui disent « Ah, mais c'est à La Réunion !» Non, non, ce n'est pas à La Réunion, c'est elle qui est à La Réunion. Je vous mets le site internet de France. Voilà, le site, c'est baindérivatif.fr. Voilà, et dans le chat. Et là, vous allez sur formation. Vous allez sur formation, c'est marqué dès la page d'accueil. Vous cliquez sur formation et vous arrivez sur… là-dessus, et Virginie, vous lui envoyez un mail, vous lui dites ce que vous voulez faire et elle va vous répondre. D'ailleurs, depuis dimanche, il y en a déjà 3 qui ont écrit. Ok, et alors il y avait autre chose, nous on se retrouve pour l'ADN le 22 septembre, qui est une nouvelle conférence, il y en aura peut-être d'autres. C'est très palpitant l'ADN. Comment ? C'est très palpitant l'ADN. Ah ouais, ça va être génial. C'était comme… Vous savez qu'on a 10 000 accidents d'ADN par jour. Vous vous rendez compte? Si on ne les répare pas au fur et à mesure, eh bien on est mal barré. Hein, on est mal barré. Alors pour ça, on va se retrouver le 22 septembre à 20h pour la conférence. En tout cas, à France, encore une fois, merci pour ton temps et ton partage. Parce que ça va aider énormément de personnes. Et merci pour tes anecdotes parce que c'est très enrichissant, toute ton expérience de vie, tout ton parcours de vie qui est absolument incroyable. On ne peut pas tout dire en une vidéo, mais il y a déjà plein de vidéos sur le net, il y a déjà plein de livres. Voilà, donc le 22 septembre, vous savez qu'il y a un canal WhatsApp, un groupe de soutien, donc je suis là, je réponds aux questions, que ce soit sur le corps, l'âme ou l'esprit, et sur tout ce qui se passe actuellement émotionnellement, je suis là aussi. Et on vous souhaite une très très jolie soirée. Ce que tu dis, oui. Mais ce que tu dis là, tu parles du corps, de l'âme, etc. Je précise toujours que mon travail, ce que j'enseigne, c'est vraiment la moitié physique. Et c'est la moitié de nous. L'autre moitié, c'est pas physique. C'est tout aussi important. Quand on fait l'effort d'appuyer, de faire quelque chose avec le physique, ça aide pour le non-physique et ça donne des forces pour s'occuper du non-physique.
Et quand on s'occupe du non-physique, il y a des gens qui ont besoin de commencer par le non-physique, eh bien, ça aide et ça donne des forces pour ensuite s'occuper du physique. Mais les deux sont aussi importants l'un que l'autre. Si le corps n'est pas bien nourri comme ce que tu proposes, c'est difficile d'atteindre le mental et l'être. Et bien sûr. Par l'un ou l'autre, évidemment. Et c'est très puissant ce que tu partages. Donc, évidemment, merci beaucoup. Et bien, merci à toi. Merci à tout le monde. Merci beaucoup. Merci, France. À bientôt. À bientôt.